Salut à tous, c'est Adrien D. Aujourd'hui, samedi 12 août 2017, je vais faire une vidéo qui n'est pas informatique, qui va être mathématique. Ouais, parce que je discutais sur Discord avec un ami qui me disait « Ouais, oh, j'ai du mal à faire des multiplications, là. » Je me suis dit « Tiens, on va faire une vidéo sur un vieux truc. » Un vieux truc que j'avais appris. Alors, je sais même pas si vous connaissez ça. Enfin, si vous connaissez pas, ça peut être rigolo pour faire une multiplication sans la poser. Sur un bout de papier en faisant des traits. Ben oui, il est fou à rien, il est fou, mais il sait faire ça. Ouais, donc je prends GIMP, du coup hein, je vais simuler ma feuille de papier, voilà, et on va, je sais pas, faire une tentative de multiplication, je sais pas moi, par exemple 14 fois 23 par exemple. Voilà. 14 fois 23, ça fait combien, hein? On sait pas, voilà, hein. On n'est pas trop bon en calcul de tête. 14 fois 23, on ne sait pas combien ça fait. 14 fois 23. Merde. 14 fois 23, ça fait 322. Alors, comment trouver 322 avec 14 fois 23, sachant qu'on ne veut pas faire ça de tête et que on ne veut pas poser notre soustraction. Eh bien, regardez, ça va être très simple. On va séparer les dizaines des unités. Et on va tracer une grille. Donc je vous montre avec 14 fois 23. Ici, on fait 1, on prend la dizaine, et on prend l'unité, 14. Donc on trace 1 et 4 traits. Voilà. Ensuite, on prend 23. Bon, une multiplication, qu'on fasse 14 fois 23 ou 23 fois 14, ça marche dans les deux sens. Donc, ensuite, on fait la grille dans l'autre sens, de gauche à droite, pareil. On trace deux traits pour les deux dizaines. Voilà. Et les trois unités. Voilà. Et ensuite, on va couper notre grille en trois. Comme ça. La partie de gauche, la partie du centre et la partie de droite. Et maintenant, on va s'intéresser aux intersections ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc il y a 11 intersections au milieu. Ok, là il y en a une, là il y en a deux. Et là on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Donc on a 12. Et là, vous commencez à voir le truc, non? 12, 2. On garde le 2 ici. Et le 1, on le met là. Là, ça fait 12. On garde le 2. Donc là, ça fait 12. On garde le 2. Et le 1, on le met de l'autre côté. 2 et 1, 3. 322. Pas mal, non? Allez, on fait un nouveau test. Je vous montre que ça marche avec plein d'autres multiplications. Hein. On va essayer, par exemple, je sais pas, on va essayer, moi, 24 fois 42, tiens. Ça fait combien? Eh ben, on va faire le même principe. On fait le même principe. Donc, hop, je prends du bleu, je prends mon crayon, donc 20, donc ça fait 2 dizaines, 4 unités, 3 et 4, voilà, et ensuite, pareil, fois 42, donc 4 dizaines, 2, 3, 4 et 2 unités, voilà, on coupe à nouveau notre grille, gauche, centre, droite. Et là, on compte les intersections. Donc, 24 fois 42, ça fait 1008. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, on a le 8. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Hein? Donc 20, ça fait 0 ici. Et le 2, on le met ici. Et là, 8 et 2, 10. 10, ça fait 1008. Voilà. Donc comme ça, avec ce petit tuto pratique, vous savez compter, faire des multiplications plus ou moins complexes. Et puis finalement, ben c'est assez facile du coup. Voilà, il n'y a pas besoin de poser sa multiplication, il n'y a pas besoin de la faire de tête. On trace des traits, on compte les intersections et on additionne. Et voilà, on a le résultat. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui traitera d'informatique. Allez, ciao !